Quand tu auras fini de jouer les acrobates, tu iras voir ce que fait Elan-Lan. Il est parti chercher du bois depuis des heures et n'est pas revenu. Compte sur moi, père. Ya ! Allez, petit tonnerre ! Yahoo ! De la tribu. Elan-Lan ! Elan-Lan ! Il ne doit pas être bien loin. Allons-y. Là-bas, je le vois. Il n'en est encore qu'à son premier morceau de bois. Tu as fait quelque chose ? Non, quoi ? Je ne sais pas, j'ai cru. C'était bien, hein, Yakari. T'as eu peur, hein, à vous? Pas du tout. Je savais que c'était toi depuis le début. Et d'ailleurs, tu n'as pas beaucoup progressé. Au contraire, j'ai de nouvelles figures à te montrer. Tu vas voir. Progrès. Très spectaculaire, mais peut-être pas tout à fait volontaire. Qui a osé? Un pôle-à-touche. Je n'en ai encore jamais mangé. Quel goût cela peut bien avoir? Non! Arrête! Il ne l'a pas fait exprès. Il est encore jeune. Il essaie juste d'apprendre à voler. C'est pas une raison pour prendre mon ventre pour un tapis de mousse, non? Et puis, il n'y a que les oiseaux qui savent voler. Pas du tout, pas du tout. Toi aussi, tu pourrais voler si tu voulais. Le pôle à touche pourrait t'apprendre. Oui, c'est très, 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 très facile. Tu as un énorme potentiel, oui. Ça se voit tout de suite. C'est vrai, on est presque pareil, tous les deux. T'es juste un peu plus... un peu plus fort, quoi. Vous vous moquez de moi, tous les deux. Non, pas du tout. Il va te faire une démonstration. Tu me promets que tu vas pas en profiter pour t'échapper? Non, promis. Bon. Faire ça? Et pourquoi pas? Ça va aller. Bien souple sur les pattes. Voilà. Ouh, on souffle. On étend les pattes. On respire bien à fond. Et puis on se lance. Il n'y a plus qu'à se lever.
À mon avis, ce carcajou est aussi doué pour le vol plané qu'un gros bison de 10 tonnes. Je crois qu'on ferait mieux de ne pas rester dans le coin. Vous vous êtes moqué de moi! Je vous le ferai payer! Je me vengerai! Il a l'air très en colère! Il était prêt à te dévorer. Il l'a bien mérité après tout. Vous avez intérêt à ne plus vous montrer dans les environs, je crois. Bonjour, Yakari. Tu as mal dormi? Tu fais une drôle de tête depuis que tu es rentrée hier. Non, ça va. On dirait que quelque chose te tracasse. J'ai juste fait un cauchemar. Tu veux bien aller me chercher de l'eau à la rivière? Retournons voir le pôle à touche. Depuis hier, j'ai toujours l'impression d'être observée. Je me demande si on n'a pas exagéré avec le carcajou. Où est le pôle à touche? J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Pôle à touche! Pôle à touche! Où es-tu? Yes, j'arrive! C'est bien lui! Vite, petit tonnerre, vite! Ça lui apprendra. Yakari, qu'est-ce que tu cherches? Tu es là, toi? Mais le carcajou ne t'a pas capturé? Le carcajou, il est dans le coin. Si ça ne vous fait rien, vous ne pourriez pas m'aider tous les deux, je suis là. Tiens bon, Yakari, on va te sortir de là. Ne t'inquiète pas. Encore! Non, c'est trop loin. Il faut trouver autre chose. L'arbre va céder. J'ai une idée. Contente de te voir, Yakari. Pas autant que moi. À toi, petit tonnerre. Cette fois, ce carcajou est allé trop loin. Il faut lui donner une bonne leçon et qu'on ne le revoie plus jamais. Oui, mais comment faire? Grand aigle. Toutes les créatures ont leur place sur Terre, même les plus féroces. Alors on ne peut rien faire? Réfléchis, Yakari. Tu peux faire trembler qui veut t'effrayer. Faire trembler? J'ai rien compris! Il parle toujours par énigme. Laissons faire Yakari. Faire trembler celui qui t'effraie. Je sais ce qu'on va faire! J'ai faim! Cette fois, Yakari n'est plus là pour te sauver. Je vais te manger et ma vengeance sera complète. Tu ne peux pas m'échapper. Je vais t'attraper, petit pôle à touche. C'est une
une impasse. Je te tiens, Pelatouche. Ouh ! Je sens que je vais me régaler. Carcajou ! Tu te conduis mal ! Tu dois cesser de faire peur aux autres créatures ! Tu manges trop. Tu dois apprendre à ne manger que ce dont tu as besoin. Au lieu de te goinfrer, on te l'a déjà dit plein de fois. Pour commencer, tu vas te mettre au régime. Baies et racines. Promis? Oui, oui, je le promets. Va maintenant et gare à toi si tu ne fais pas ce que j'ai dit. C'est bon, il est parti. Tu peux arrêter. Ça a super bien marché, il est mort de peur. Yakari, t'es génial. Cela fait un moment que nous n'avons pas vu notre ami le glouton. Hein? Il est là. Hey, venez, venez. Bonjour. 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 Avec les plis que tu as sous les bras, je suis sûre que tu pourrais réussir ton prochain baptême de l'air. Non, merci. Je crois bien que je vais m'abstenir. Non. J'ai l'impression que cette fois, nous sommes débarrassés de lui pour un bon moment. Oh, pas eu le temps d'en ramasser d'autres. Reviendrai demain.